Cette loi, comme vous l'avez présentée, monsieur le ministre, vient remodeler, si je peux dire ainsi, la loi de 2006 relative au régime général des contrats de partenariat. Cette loi, en faisant sommairement son évaluation, vous avez dit que 84 projets ont été initiés par le gouvernement, dont 29 ont été exécutés, générant 2 700 milliards en termes d'investissement. Ça fait le tiers. Pour mon intervention, je voudrais mettre en phase sur la célérité qui nous interpelle. Nous sommes à la dernière décade. Et la loi 2006, qui vient de se faire évaluer, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. 17 ans, on a pu réaliser que le tiers de ce qui était prévu est pour 2700 milliards. Et vous avez dit aussi que pour la SND 2020-2030, vous voulez projeter de quoi dans 7 000 milliards qui viendraient, n'est-ce pas, du secteur privé. Si j'avais donc des propositions à vous faire, et compte tenu aussi des chiffres que vous avez présentés par ailleurs, que le taux de croissance en termes de PIB réel, pour 2022, était de 3,4%. Alors que la projection pour 2020 est de 8%. Ça veut dire qu'il y a des efforts qu'on doit faire. Est-ce qu'en 10 ans, on pourrait réussir, n'est-ce pas, à rattraper ce retard? Il est vrai qu'un possible n'est pas camerounais. Mais voilà donc un outil très intéressant que vous présentez aujourd'hui. Alors ma préoccupation, c'est de vous dire, monsieur le ministre, de bien vouloir mettre en place une stratégie pour vendre cet outil. Nous avons l'agence de promotion d'investissement, vous avez noté. Je ne sais pas ce qu'elle fait concrètement. Est-ce qu'elle attire les investisseurs? Est-ce que quelqu'un est un bilan? Si on s'en tient aux seuls GIFAM et aux opérateurs privés avec lesquels vous avez l'habitude de parler,
qui a une santé, un certain nombre de projets. Mais localement, il serait impossible de trouver ces moyens dont nous avons besoin. Il faudrait donc mettre un marketing agressif. Est-ce que vous avez d'autres outils pour informer, pour attirer ces anciens opérateurs privés au niveau des ambassades? Est-ce que les services économiques marchent? Est-ce que vraiment il y a des choses que je ne connais pas? J'attendrai M. le ministre à avoir un peu d'éclaircissement. Donc, pour me résumer, l'outil que vous nous présentez aujourd'hui est un outil qui semble très intéressant. Mais pour relever le défi de 2022 ans, il faudrait faire tout pour vendre cet outil. Sénateur Nkodo Laurent, je voudrais également vous exprimer notre gratitude pour les propos que vous avez vus concernant ce projet de loi. Et je voudrais surtout m'attarder aux différents aspects que vous avez évoqués en termes donc de mécanismes, mesures, démarches qui devraient garantir une meilleure compréhension, appropriation, utilisation de ces moyens de financement alternatifs. Vous avez raison, sur 84 initiatives, 29 ont prospéré pour 2700 milliards. Je voudrais dire que ce n'était pas un objectif 84, c'était des initiatives qui ont été prises. Parmi elles, 29 ont été couronné de succès en matière donc de complétude. Cela dit, c'est là où je voudrais vous rejoindre totalement, et je le disais tantôt concernant donc les préoccupations du sénateur Gafferson, si nous voulons atteindre nos objectifs de développement et nous devons réaliser les infrastructures dont nous avons besoin, le budget de l'État seul ne peut pas permettre de couvrir cette démarche si on veut y aller dans les délais impartis. On peut choisir de fonctionner sur la base du budget de l'État uniquement. Ça nous prendra des décennies. On peut donc utiliser un effet de levier, celui donc de faire recours au financement alternatif impliquant à la fois le public, le privé, souvent le privé tout seul, pour permettre donc d'accélérer le processus pour atteindre les objectifs de développement. Et c'est en cela que les partenariats public-privé offrent une alternative. C'est une des options. D'autres options sont également à utiliser, le financement vert, le financement climatique. Ce sont des options qu'il faut explorer pour nous permettre de réaliser le plus rapidement possible notre objectif de développement. Oui, vous l'avez dit, sénateur Kozo, nous étions partis sur la base d'un taux de croissance moyen d'à peu près 8% sur la période 2020-2030. Les conjonctures successives ne nous ont pas permis d'atteindre ce taux de croissance, bien que ayant fait preuve de résilience, parce que nous avons eu un taux de croissance autour de 4%, et nous faut rattraper. Il faut rattraper, voilà pourquoi le plan d'impulsion initial est élaboré pour pouvoir compléter ce déphasage que nous avons connu du fait de Covid-19, du fait de la crise géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, et bien d'autres conjonctures qui sont défavorables. Mais vous avez totalement raison et je voudrais vous rassurer également sur ce point. Ayant élaboré les textes, c'est certainement une partie du travail, mais l'utilisation, l'application, l'usage de ces textes, c'est la seconde partie qui mérite toute l'attention requise en matière de marketing, en matière de promotion, en matière donc de communication et information auprès des différents acteurs, qu'ils soient ici à l'intérieur ou à l'extérieur, pour nous permettre d'en tirer le meilleur profit. Et de ce point de vue, je tiens à le dire, nous avons de bonnes raisons d'être optimistes compte tenu du potentiel économique réel disponible dans notre pays et de l'intérêt manifeste que des investisseurs donc expriment à l'endroit de notre pays. Il me semble, et je reviendrai tout à l'heure parce qu'il a été question de l'électricité, comme quoi c'est aussi un secteur, même si nous n'avons pas encore totalement atteint nos objectifs,
qui, sur la base de l'expérience réalisée autour du barrage Nactigal, attire d'autres investisseurs, et j'en reparlerai tout à l'heure concernant le projet Kikote, qui va dans le droit fil de ce qui a été réalisé ou en cours de réalisation s'agissant. Autre préoccupation relative au transfert de technologie est bien entendu la bienvenue, et je pense là aussi, comme dans toute négociation, il faut savoir se doter des compétences de votre côté qui assure la meilleure défense de vos intérêts. Si hier nous avions des démarches où les acteurs négociants étaient probablement constitués autour d'une seule personne, probablement expérience, il est important d'avoir toute une équipe de négociation, il est important de renforcer le CARPA, il est important de renforcer toutes les entités susceptibles donc de participer aux échanges conduisant donc à la signature des contrats pour que les obligations puissent être bien définies, écrites et que les engagements puissent être tenus sur la base d'un suivi régulier avec des évaluations qui peuvent donc donner lieu à des sanctions. En cela, le transfert de technologie est aussi donc un point qu'il faut prendre en compte dans l'élaboration du contrat le moment venu. Vous vous êtes interrogé sur certains domaines d'exception, tels que l'électricité. Domaine d'exception, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de PPP en la matière. Ce sont des domaines qui ont déjà des textes spécifiques, sectoriels, et qui font l'objet, bien entendu, d'une mise en œuvre du PPP déjà. Nactigal, qui va produire pratiquement 420 MW à partir du début de la fin de cette année, avec le premier groupe qui va être mis en fonctionnement, c'est un PPP sous la forme Project Finance. Kikote, qui va produire plus de 500 MW, est dans la phase de structuration déjà, sur le même modèle que Nactigal. Avec cela, nous avons donc bon espoir que notre objectif d'atteindre d'ici 2025 3000 MW de production et d'ici 2030 5000 MW, ce sont donc des opérations qui peuvent se réaliser avec moins d'implications financières de l'État, tout en veillant, et je reviendrai à la préoccupation du sénateur Kwam, tout en veillant à l'intérêt général, en faisant également jouer le secteur privé qui a aussi un intérêt spécifique lié donc aux résultats, au profit, ainsi de suite. Mais je reviendrai dans un instant pour dire que les deux ne sont pas incompatibles. Vous savez, de mieux structurer cela et savoir quand est-ce qu'on peut aller vers un PPP, quand est-ce que l'État n'a pas un intérêt spécifique ou particulier à le faire avec un partenaire, étant entendu les prérogatives qui sont les siennes. Pour ce qui est de l'électricité, je l'ai dit tantôt aussi, nous avons mis en œuvre les politiques dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on est à près de 2000 MW d'électricité en termes de capacité de production. Tout ceci sur la base de centres les vôtres. Je voudrais tout simplement dire que si l'exposé de motifs a rappelé précisément que nous voulons poursuivre sérieusement la revue, la quatrième avec le Fonds monétaire international. C'est aussi une dynamique globale qui voudrait que le Cameroun, dans sa volonté de devenir un pays émergent à l'horizon 2035, sur la base de la stratégie, mette un accent substantiel sur les infrastructures. Les infrastructures, ce sont les routes, ce sont les ports, c'est l'électricité, qui participent à l'amélioration des facteurs de production pour nous rendre plus compétitifs. Évidemment, je le disais tantôt, l'État seul ne peut pas le faire. Voilà pourquoi, dans le cadre donc des partenariats public-privé, nous sommes dans la dynamique d'accompagner, d'encourager, de susciter des investissements dans le secteur de l'électricité. Il n'est pas exclu que les partenaires soient intéressés par la réhabilitation de l'aqueduc ou la création de nouvelles structures de production d'énergie. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à ces orientations-là qui pourraient venir du secteur privé. Et pour ce qui est de Viva Logone, dans le cadre donc, du projet de la Banque mondiale, c'est un projet qui est mis en œuvre avec le comité d'ouvrage l'État
et dans la promotion donc, de la production du riz dans cette zone dont l'aménagement va connaître une amélioration avec plus d'espace. Pour ce qui est des infrastructures telles que la digue route, il va être un peu difficile d'intéresser les partenariats publics privés puisque en général c'est l'activité de transport, si on parle de la route, en matière donc de trafic qui peut générer des revenus et qui pourrait donc donner lieu à soit des péages qui pourraient donc intéresser le secteur privé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais globalement, nous avons bénéficié du très haut accord du président de la République pour phaser l'exécution de cette opération qui a donné lieu premièrement à des études et à l'allotissement de cette infrastructure pour nous permettre de commencer et d'assurer la protection à la fois de notre berge, mais en même temps la circulation depuis le bec de canard jusqu'à Darak au niveau donc, du département du Logonichari. Pour ce qui est du bilan que vous faites du PPP autour de Camerin, oui, déjà le malheureux incident des ECA a également conduit à une relecture éventuelle donc, de cette situation globalement et de se projeter en matière de stratégie des infrastructures liées au chemin de fer. Et nous pensons que les ministères sectoriels, dans le cadre du Comifer, travaillent ensemble avec les autres parties prenantes pour une meilleure circulation donc, de cette relation avec le partenaire autour de Cameray. S'agissant de l'article 24, je pense tout simplement que le principe de la non-rétroactivité s'applique, donc nous ne pourrions pas insérer des clauses qui pourraient fragiliser notre réputation juridique et bien entendu notre destination en même temps en matière de stabilité juridique. Pour ce qui est de Yaoundé, vous avez évoqué le projet tramway. Il me semble que ce sont des projets qui font l'objet d'un processus de maturation. Un processus de maturation, l'annonce seule n'est pas suffisante pour immédiatement engager certaines négociations. Il nous faut du côté gouvernemental, avoir des dossiers bien ficelés et du côté des partenaires également, avoir des dossiers bien ficelés pour que lors de la rencontre, lors des négociations, que les gens puissent aisément prendre les décisions qui s'imposent dans la perspective donc, de réaliser certaines infrastructures en matière donc, de services publics destinés aux usagers. Pour ce qui est de Tolkam, je ne suis pas très au courant du prix que le projet aurait reçu, mais il s'agit d'un projet qui vise à équiper, je pense, notre pays de 14 postes de péage automatique dans la perspective donc, d'améliorer à la fois l'activité autour de ces péages-là, moderniser et surtout garantir une meilleure gestion. C'est un processus qui a connu quelques difficultés au départ en matière de financement, mais j'ose penser que les choses sont revenues à l'ordre que nous pourrions escompter une meilleure fin dans un avenir proche. Pour ce qui est des collectivités territoriales décentralisées, je voudrais aussi dire, regardons les choses pas sous l'angle d'une photographie à l'instant T, mais un film. La photographie aujourd'hui permettrait de dire, on nous amènera à dire que les compétences ne sont pas totalement acquises pour remplir. Mais ce n'est pas une condamnation. Il faut équiper, il faut former, il faut se structurer pour pouvoir utiliser ces alternatives-là dans la perspective de réaliser ce qui revient de l'avant aux collectivités territoriales décentralisées. À notre niveau, on verra l'accompagnement des acteurs, on verra le soutien nécessaire qui nous vient à la fois du gouvernement comme de nos partenaires pour que, pas seulement l'État central, mais les entités décentraliser les CTD, les entreprises publiques, comme les entités privées, les entreprises publiques et les entreprises privées souhaitant bénéficier de ces opérations-là, qu'elles puissent avoir évidemment accès à la connaissance, à la compétence et à l'accompagnement nécessaire en matière donc, de conseil. Le sénateur Kouma Eugène s'est beaucoup préoccupé de le nouveau paradigme qui est appliqué par l'État sous la tête de pression du président de la République en matière donc, de gestion axée sur les résultats
budgétisation axée sur les résultats et bien d'autres substantifs qui nous rappellent qu'il faut élaborer des programmes, les exécuter conformément aux objectifs assignés, veiller à ce que les ressources qui sont mobilisées soient utilisées de la manière la plus efficiente. Nous allons continuer et même si vous avez relevé quelques insuffisances ici et là, il me semble que le processus de changement de paradigme, partant de budget de moyens à budget, programme, est un processus qui va encore perdurer. Il est important que dans le cadre de la formation, dans le cadre du dialogue de gestion entre les responsables du programme et les acteurs qui ont la responsabilité, bien entendu, des programmes, des actions, des activités, des tâches, que tout cela puisse être bien compris et que l'appropriation soit pas seulement au sommet, mais également au niveau des acteurs au plus bas de l'échelle. Et ça, c'est le dialogue de gestion. Certes, ce dialogue de gestion n'a pas toujours été déployé comme il se devrait, parce qu'il faut accompagner les acteurs, et nous voulons mettre un accent particulier, soutenu, dans ce domaine-là, afin donc de garantir aussi bien une meilleure communication, une meilleure appropriation, là où c'est nécessaire, la formation requise, et surtout, veiller à ce que les évaluations suivent pour pouvoir donc, si possible, réajuster ou renforcer les capacités des uns et des autres. Vous vous êtes préoccupé de certains projets qui pourraient mettre probablement en concurrence le profit et l'intérêt général. Je voudrais donner l'exemple de Natchigal pour dire que l'intérêt général, oui, l'électricité qui sera donc qui va bénéficier de 420 MW additionnels, profit, oui, parce que ce sont des partenaires qui ont été prêts à accompagner l'État sans que l'État n'ait à mobiliser beaucoup d'argent pour réaliser cette opération. Qu'est-ce qui est l'indicateur majeur? Est-ce qu'à la sortie, le coût du kilowatt d'électricité correspond à ce que l'État souhaiterait avoir sur le marché? Si c'est le cas, nous rencontrons aussi bien la volonté de satisfaire la demande publique et également la volonté d'investir pour rentabiliser cet investissement. Cette équation, elle est permanemment à notre esprit pour nous permettre évidemment de tirer le meilleur profit dans le cadre donc des PPP, puisqu'il s'agit évidemment pas seulement de confier une certaine responsabilité, de transférer un certain risque, mais de s'assurer qu'il n'y a pas un retour de manivelle défavorable à l'État au cas où les choses se passaient de manière peu souhaitable.